J'espère que vous allez bien. On continue avec notre série de vidéos complètement fulgurantes sur les dernières infos qui sont sorties sur le prochain DLC, La Maison des Loups, qui, je vous le rappelle, sortira le 19 mai prochain. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler du guide. On a eu pas mal d'infos et notamment à travers ces screens, vous allez pouvoir vous rendre compte, et ça c'est une très bonne nouvelle, qu'il va nous vendre beaucoup d'éléments qu'on galérait un petit peu à trouver. Donc cette fois-ci, on va pouvoir simplement les acheter en les troquant contre d'autres éléments. Donc on commence par exemple avec l'éclat irradiant. Vous allez pouvoir l'obtenir contre des énergies irradiantes et des lumens. Vous aurez également, et ça c'est une énorme nouvelle, la possibilité d'acheter directement des lumens en échange d'éclats d'ascension. Alors ça c'est vraiment, je pense, une énorme révolution dans le jeu. Ensuite, vous allez pouvoir acheter des particules de lumière contre des éclats d'ascension. Vous pourrez acheter ces mêmes éclats d'ascension contre des énergies d'ascension et des lumens. Donc vous voyez, c'est tout un échange. Vous allez pouvoir troquer différents éléments contre d'autres éléments. Par exemple ici, vous pourrez obtenir des énergies d'ascension contre des lumens et des éclats d'ascension. C'est toujours à peu près la même chose, toujours les mêmes éléments. Vous pourrez enfin acheter des énergies irradiantes contre des lumens et contre des éclats irradiants. Voilà, j'espère que cette info vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment saliver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sous cette vidéo ce que vous en pensez. Mon petit avis, s'il peut y avoir un bémol, c'est que je pense qu'on va délaisser un petit peu la partie jouabilité du jeu. On aura peut-être moins tendance à faire les assauts et autres épiques ou nuits noires qui peuvent nous permettre de récolter tous ces éléments, vu que maintenant on peut les acheter avec une complète facilité. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires. Gros bisous tout le monde et à bientôt pour d'autres infos.